France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et si vous me permettez, je souhaiterais juste avoir une petite information aussi sur le sujet d'aujourd'hui. Donc j'ai mes parents et ma grande sœur qui sont en conflit actuellement. Et mon père, il est du genre à ne pas laisser. Et il a tout à fait raison parce que ma grande sœur s'est mariée sans l'autorisation de mes parents. Voilà, donc ils sont un peu en... Ils sont... La relation, elle est tendue et mon père a dit qu'il ne pourrait pas pardonner avec la sincérité, alors que le pardon vient avec la sincérité. Et lui, il sait que si ma sœur venait à lui demander pardon, il devrait accepter pour suivre la religion. Mais au fond de lui, il n'espère pas qu'elle vienne demander pardon. Quel conseil pourrez-vous me donner par rapport à cette situation ? Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, on l'a dit déjà une fois ici, le prophète dit « Ahbib habibaka haunamma » « Aime ton bien-aimé avec modération, asa antubridahu yawmamma » « Car un jour viendra où tu le détesteras un peu »« Wa abrid aduwaka haunamma » Ton ennemi, déteste-le avec modération. Asa an tuhibbahu yawman ma. Car un jour viendra où peut-être tu l'aimeras. Ah. Très bien. Je pense que la phrase, elle conclut le questionnement. Voilà. Eh ben, j'espère que vous avez bien compris en tout cas. Et si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas en tout cas. Peut-on pardonner sans qu'une personne vienne demander pardon ? C'est encore mieux. Vous savez, Dieu dit dans le Coran, il parle des gens... pieux, il dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ précipitez-vous vers le pardon de Dieu, de votre Seigneur. وَجَنَّةٍ un paradis عَرْضُهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَرْضُهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ dont les dimensions, la largeur est égale à ce qui sépare le ciel de la terre. أُعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ que Dieu a préparé aux gens pieux. Des gens qui, en fait, ont beaucoup de qualificatifs, dont celui-ci, وَالْكَظِمِينَ الْغَيْضِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Ceux qui ont raison et qui acceptent de pardonner, de s'asseoir sur leur raison pour pardonner aux autres, ainsi que ceux qui pardonnent tout simplement aux gens. Donc, Kazim al-Ghayth, c'est celui qui a le droit, qui a droit sur quelque chose et qui le cède juste pour que les gens vivent en paix. Et ceux-là font partie des gens pour lesquels Dieu a réservé le paradis. Très bien. À très bientôt, Ahmed Damien, et merci de nous avoir rappelés en tout cas.